Je n'ai pas accès en fait à ce que je rentre. Ce chiffre-là, je peux pas accéder, mais je peux pas accéder non plus à ce chiffre-là, par exemple, dans depuis le code du jeu. Ou alors, il faut que je entre guillemets pirate la matrice là, que je hack carrément le jeu réel. Parce que on peut, parce que en fait ce que vous voyez pas forcément, c'est que en fait ce jeu est codé en HTML. C'est voilà, c'est putain, mais oui, mais je suis un boulet moi. Allez, on va hacker le jeu. Voilà, je vous présente la console développeur. du coup. Alors je vais quand même le coder ici, comme ça on va pouvoir. Je vais créer un terminal. Tac tac tac. On va faire nano. En soi même pas. En soi même pas. On fait un ls et on va coder ça dans notre ls. Ça on s'en fiche. Du coup. L'idée de base. Ah oui, mais le truc, c'est que si je fais un. Ouais, il est là le problème. Non, on s'en fout. Parce que je vais l'exécuter dans la console développeur. Net, hop, et du coup j'ai ce truc là. Qui n'a pas de rôle. J'ai un span là en fait. Il est où ce span? Il est là, je l'ai. J'ai une classe. Le truc, c'est est-ce qu'elle est utilisée ailleurs? Parce que si c'est une span, enfin si c'est une classe, elle est potentiellement utilisée ailleurs. Mais pareil, c'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères avec un K, avec un dollar. Donc faut déjà que je traite la chaîne de caractères, que le K je transforme en fois 1000. Un peu compliqué cette histoire. Mais j'ai une variable. On va essayer ça. On va essayer ça. Donc c'est pas by element, c'est by class. Donc c'est get elements by class name. Hop, on met des. Il y avait des parenthèses. Ctrl V. Hop. Déjà. Donc c'est un petit point virgule. Non, pas point virgule. Si je fais un console log. Donc de
de ça. Donc, je retourne dans la console et je fais ça. Okay. Donc il faut que je sois sur la page Aknet, Aknet pour faire ça. Et là même pas. Ça a changé? Putain, la classe elle change. Elle change en fonction de... Ça a l'air d'être la dernière update ou un truc comme ça. C'est un chiffre qui s'incrémente. C'est un chiffre qui s'incrémente. Ben, je suis mort. Je peux pas récupérer cette variable-là. Qu'est-ce qui pourrait faire que je... Parce que c'est un span. C'est un span qui est dans une classe, qui est dans une classe, qui est dans une classe. Est-ce qu'il y a un identifiant quelque part en amont? Si j'ai un ID... Oui, j'ai un... ouais, d'accord, ok. ID route. Ok, d'accord, super. ID égale route. À moins d'avoir vraiment un pathfinding à rallonge. Je suppose que c'est pas le seul span, n'est-ce pas? Ça serait pas drôle sinon. C'est le seul span qui est dans cette balise P. Du coup... Ah bon là je peux pas sélectionner Est-ce que... Ah bordel, j'ai deux fois cette classe-là. Je pourrais pas. C'est protégé, je pourrais pas la récupérer. Enfin, c'est très complexe, ça va être super complexe à récupérer. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais, en fait, vous savez, le calcul que j'ai fait tout à l'heure, 25 millions moins, divisé par ce nombre-là, divisé par 60, ça donnait combien de minutes j'aurais à attendre si je voulais acheter le Ah Merde. Ah, je suis au bout de la langue. Le prochain Actool. À savoir je sais plus c'est quoi, c'est le SMTP, c'est ça? C'est le SMTP ou le HTTP, je sais plus. Ça doit être le SMTP. Oula, hey, j'ai pas vu là. Strong là, c'est bon. Je suis assez fort. Hop. Non. Arrête, arrête, arrête. Du coup, je refais le calcul rapidement. Je vais refaire, tant pis, je vais le refaire manuellement. Après, je pourrais. Ouais. Bon. Du coup. Hop, ça je peux fermer.
Est-ce que je l'ai encore? Je l'ai encore. Du coup, là, je suis à... On va dire 27K. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, attendez, attendez, attendez. Je le retape du coup. Parce qu'il a fait n'importe quoi. Donc, j'ai dit 25 millions. Divisé par 27 000. Ça donne 900 secondes. Donc, si je redivise par 60, 15 minutes. En vrai? En vrai, un petit quart d'heure à attendre. Ou on laisse up encore. On peut encore laisser up, hein. En soi, tout est au max. Il y a que celui-là, il attend d'atteindre les 3 millions pour pouvoir l'upgrader à fond. Mais bon. Je suis passé à 28K. Donc là... Ouais, 15 minutes, j'ai pas gagné grand-chose. Mais ouais, ok. Voilà. Je vais augmenter ma dextérité. Je vais augmenter ma dextérité. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je suis en train de m'entraîner dans la salle, mais je peux quand même aller me déplacer. Et est-ce que maintenant... Alors, c'était... Ça m'avait fait le... Moi, ça m'avait déclenché l'événement quand j'avais surligné ça. Aïe. Alors je sais pas ce qu'a débloqué le truc. C'est pas intuitif ce que ça a débloqué. Mais j'ai ça, le Security Work. Et du coup, je peux faire ça. Et ça me développe tout. Sauf le charisme. Et qu'est-ce que ça peut me rapporter ça? Huit de réflexe. C'est quoi ce truc à 500 millions là? Après une instant carefully assemblée de random synapses. Une augmentation. Remove the penalty for not focused in action. Working job or working. Ouais, parce qu'on a une légère pénalité. Ouais, c'est léger. On a une légère pénalité en fait quand on n'est pas focus sur notre tâche. Mais ça, c'est minime. C'est extrêmement minime. La vache, ça, c'est violent ça. Plus 20% en force skill, plus 20% en défense skill. La violence.
Dextérité, agilité. Plus 20% de charisme skill. Ouais, donc là c'est plus vraiment le physique, hein. Plus 20% de from de réputation depuis les compagnies. Plus 10% de skill. Plus 10% de réputation dans les compagnies. Plus 10% dans les factions et les compagnies. Putain, c'est violent ça. Non, ils proposent des trucs violents, eux, hein. Ça peut être intéressant, hein, à terme. À terme, ça peut être intéressant. Bon, on va laisser de toute façon notre perso s'entraîner. Du coup, enfin s'entraîner, bosser, mais ça augmente ses stats. Donc autant y aller. Ça nous rapporte pas d'argent, mais ça nous rapporte des points de stats. Donc autant y aller. Et au moins il fait pas rien quoi. Si jamais je dois créer un programme, voilà. Après au niveau du terminal. Donc 25K pour le prochain achat. On est à 30K. On est à 30K. Minutes. Ouais, on pourrait, hein, on pourrait laisser augmenter. Ah, il a refait, il en a racheté un. Ah ouais, il en a racheté un. C'est ok. En vrai, les 4 corps, je pourrais encore augmenter. Est-ce qu'on tente d'augmenter jusqu'à 8? Ça augmente de combien? Ouais, allez, on va monter jusqu'à 8. On va monter jusqu'à 8. Donc, ok, hein, donc ça, hop, pas de soucis, on sauvegarde. On va fermer et on va upgrade. Ça, on va monter à 8. À monter à 8. Hop, on sauvegarde. Terminal. Non, pas terminal. On va. Tac, tac, tac. Active script. On est à combien là? 26. Ah oui, donc le fameux serveur de test, il a servi. Ok. Donc on peut avoir en gros 25 serveurs de plus qui servent à hacker en fait. Tout simplement. Bah on peut, hein, ça ne peut qu'augmenter le hack davantage. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas, c'est une stratégie, j'ai envie de dire, on peut appliquer cette stratégie. Ah, le jeu est vaste, hein, le jeu est vaste. Du coup, qu'est-ce que je fais? Oui. Du coup, ça, je l'annule. Et dans le terminal, je le relance. Excusez-moi pour le coup dans le micro. Du coup, le hacknet, là, ben voilà, hein, ça va continuer d'augmenter. On vient de gagner 2K en un rien de temps, là. 2K par seconde. Donc en vrai.
Après, j'hésite. Est-ce que... Hop. Upgrade. Toc, 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 toc. Coupe. On va... Est-ce que je laisse encore monter? Ou est-ce que... Alors l'idée, sinon, c'est... J'augmente encore ça. Allez. Let's go. Ouais, un petit peu. À 200, on dépasse le million, visiblement. Bon, bah on va continuer à laisser augmenter. De toute façon, ça augmente, hein, ça augmente. Hein, on... Et donc, plus ça augmente, plus on arrive à régulariser vite, mais... Et à terme, comme ça, je pourrais. J'aurais qu'à couper le script, laisser augmenter une nuit par exemple, et puis j'augmente encore. J'augmente encore. Y a pas de souci. Ben voilà. Donc voilà. Mais écoutez, je sais pas ce que vous pensez de ce jeu, mais moi en tout cas, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, honnêtement, moi j'ai fait le plus gros du travail, le truc hors caméra, hein, c'est j'ai passé du temps à développer ça. Enfin, développer les petits trucs bateaux, quoi, mais... Développer des trucs bateaux, mais bon. Je suis un petit peu embêté, j'ai beau regarder la doc, je vois pas trop qu'est-ce que je peux faire de plus, hein. En vrai, je pourrais encore modifier le truc pour qu'il soit encore plus bâtard. Ça, je pourrais encore le modifier pour qu'il soit encore plus bâtard. Regardez la même base. Mais on va modifier la première condition. Je vais voir ce que ça donne. Tac tac tac, donc c'est get. Ouais, bon, de toute façon, je vais taper. Mince.
While. Ouais, donc ça. Donc get. Non. Oui, si, c'est ça. Get level, get cost. Inférieur à. Hnet.get. Purchase cost. Je pars sur cette base-là. C'est que tant que le prix n'est pas supérieur. Alors pour la RAM, on connaît le maximum. Donc pas pour les RAM. Mais pour les cœurs, on part sur le même principe. Get core. Donc c'est un C majuscule. Core. Core. Ok, c'est simplement comme ça. Et on part sur cette base-là. C'est-à-dire que on upgrade tant que le prix n'est pas, enfin tant que le prix est inférieur au prix d'un nouveau serveur. Ça c'est bâtard, hein, ça peut s'envoler très loin. On va le faire. On le tente, hein, de toute façon. J'ai mis ça en commentaire, histoire de dire, voilà. Mais oh. Merde. On va tenter ça. On va tenter ça. Ça va up, à mon avis, comme des débiles, hein. Ça va up en mode débilus, quoi. Hop. Erreur A. Acnet node. J'ai fait une erreur. Invalide un texte, spécifié. À quelle note? Upgrade level. Ah! Bah oui, logique, excusez-moi. C'est moi. Du coup, oui, il faut des îles. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il l'a pas accepté. Du coup, ah oui, par contre, le truc, c'est que même en commentaire, ça. Non? Non, il a compris qu'il fallait pas le tenir en compte. Bon. Donc du coup, hop, je sauvegarde, terminal, et je renvoie. Undefined nest function linkat. Ligne 4. Attendez, comment il fonctionne lui? Get level upgrade cost.
Ah, oui, exact. Ah, exact. Exact, exact, exact. Exact. Du coup, ici, c'est virgule 10. Et ici, c'est virgule 1. Et oui, il y a deux arguments. C'est quel est le prix de l'achat pour 10 niveaux? Quel est le prix de l'achat pour un niveau? Et là, c'est valide. Là, c'est valide normalement. Non. Non, 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 ça change pas le truc. Indefinite is not a function link 4. This line of verge revient correct. Mais non, ça on s'en fiche. Elle est forcément correcte, j'importe pas de librairie tiers. Du coup, où est-ce que j'utilise une fonction? Get notSatRam. Inférieur. Est-ce que c'est le getPurchaseCost qui poserait problème? Si je fais. Parce que c'est ça, hein, getPurchaseCode. getPurchaseCost, pardon. Je me suis planté, c'est. GetPurchaseNodeCost, voilà. Et du coup, ici, pareil. Allez, hop. Un touche égale qui se barre. Du coup, ok. Allez, c'est la bonne cette fois-ci. Et en plus, ça me coûte moins cher, du coup. Ça me coûte moins cher à. Ah, hop. Yes! C'est bon. Donc là, du moment que tout est en dessous de 9 millions, ben, je continue les upgrades. Et à 9 millions, ben je. Je refais. Je rachète un serveur, quoi. Donc en soi, ça upgrade tant que ça upgrade. Ça peut grimper comme ça pendant des heures. Bon, ça c'est une chose. On va dire que c'est réglé ça. Tant pis, le pognon on va laisser de côté. Je peux arrêter à tout moment. Je sais que je gagne actuellement 45K par seconde. Ce qui est énorme. Ce qui est comparé à ma première partie où j'étais monté à un truc genre. J'étais monté à combien? Peut-être 15K secondes? Un truc comme ça? Non, peut-être un peu plus. Un truc genre 19K secondes, peut-être. Mais là, 45, c'est assez gros. Donc, voilà, bah écoutez, on va laisser couler. Le top serait peut-être de réussir à monter à. Au million par seconde. Mais bon. Après, voilà, ce que je vous propose, c'est moi, je laisse tourner le jeu. À la limite, je peux tourner sur autre chose. Hein. Le jeu est peu consommateur, je pense. Hein, de. Il consomme quoi en ressources machine? 400 mégas de RAM sur mon. Ouais, il est pas lourd, hein, le jeu. Hein. Il est pas lourd en vrai. En même temps, c'est une page HTML. Hein. C'est une page HTML, donc difficile de faire plus léger. Je parcours la doc et si je trouve quelque chose à coder, au moins on le ferait ensemble. Et puis voilà. Bon, écoutez, je vous reprends plus tard.
Alors, il se passe quelque chose. J'ai reçu un message, visiblement. J'étais sur autre chose là. J'étais sur la doc en fait, hein, bêtement. People say that the corrupted government and corporation rules the world. Donc les gens disent que les gouvernements corrompus et les corporations régissent le monde. Peut-être qu'ils le font, mais tu sais ce que tout le monde craint réellement? Les gens nous aiment parce que ils ne peuvent se cacher de nous, parce que ils ne peuvent vaincre les ombres. Les idées et les idées avec des balles. Rejoins-nous et les gens te craindront. Trouve et installe une backdoor sur notre serveur. Quand ce sera fait, contacte-nous. Nous te contacterons encore. Ok, donc Nitek, on va tout de suite s'occuper d'eux. C'est pas très compliqué. Du coup, ben, un petit scan analyse de niveau 5, du coup. Et ce sont les nitsec. Les nitsec. Ah, problème, ils sont plus profonds. Je peux pas chercher à x10. Ouais, c'est ça qui coûte 25K. C'est le V2. Du coup, je vais couper. Ah, c'est quand j'ai passé les 200, le niveau 200. C'est quand j'ai passé le niveau 200, ils m'ont contacté. D'accord. C'est ça le truc. Du coup. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Qu'est-ce qui m'a envoyé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, excusez-moi, je suis tombé sur un truc là. Enfin, on vient de m'envoyer un truc. C'est quoi ça? L'enfoiré! Oh, le sagouin! Un pote. Alors, si vous voulez. Allez, on va rigoler 2 minutes.
J'étais chez le coiffeur récemment. Et la coiffeuse m'a coupé trop court à mon goût. J'aime pas du tout ma coiffure. La coiffure que j'ai actuellement, je suis coiffé trop court. J'aime bien avoir les cheveux longs, pour ceux qui savent pas. Et du coup, j'aime pas ma tronche là. Et du coup, j'ai un pote qui m'envoie un article. Protection juridique, puis-je porter plainte contre mon coiffeur? Avec y a une phrase qui est marquée, le coiffeur est tenu à la réussite. Un des points de vue juridiques des contrats. C'est un truc de juridiction pour se retourner contre son coiffeur. Mais il est con. Ah, bordel! Oh merde! C'est très drôle. J'aime beaucoup. Ah, je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Allez, on va couper l'upgrade. Parce qu'il va falloir qu'on trouve les autres enfoirés là. Du coup, on va laisser up un petit peu. On va acheter le. Du coup, bail Deep. Du Scap 2. Pas exé. Dès qu'on en a l'occasion, on l'achète. Donc, je vais couper 2 minutes. Non, je vais pas couper 2 minutes. On va laisser tourner. En attendant, j'ai un petit truc là. J'ai un petit script à vous proposer. On va ouvrir ça. Ouais, du coup, faut que je me mette. Bon, on l'achètera tout à l'heure. On l'achètera tout à l'heure. Là, faut que je retourne à mon home, du coup. C'est con qu'on puisse pas avoir plusieurs terminaux. Mais c'est pas grave. Du coup, nano. On va appeler ça. On va appeler ça lead search. Hop, point script. Voilà. On va reprendre. Comme d'habitude, alors on va reprendre le principe du tool search. On va reprendre ce principe-là et on va le modifier. Ok. Tac, tac, tac. Donc l'objectif. Donc on va avoir ça. Le truc c'est que donc c'est pas ça. Et ce n'est pas. Alors, ça va être proche de ça. Du coup, on a une fonction ls. Alors, justement, il va falloir que je cherche grep. Grep. La syntaxe, normalement, si je marque étoile.lit, ça devrait marcher. Tutoriel de la commande grep Linux. Je me sers très très peu de grep. Du coup. Grep option recherche modificateur de l'option la recherche ne sera pas sensible à la case donc il faut le i et est-ce que il y a un joker le joker étoile existe oui il existe. Avec l'option L, attendez. Alors il y a l'option I, la recherche ne sera pas sensible à la case. C n'affichera pas le nombre de lignes qui correspondent au modèle recherché. Permettra la recherche récursive. Donc il faut. Ouais, pourquoi pas. Rechercher les lignes qui se. Et ne tenir que les numéros de lignes. Ok. Avec cette option, on monte les lignes qui ne correspondent pas. Donc, ok. Et donc la structure, c'est... Normalement, si je fais ça...
Varfiles égale. Oh bordel, cette touche, elle me saoule. Ma touche égale là. Allez, éclipse-toi. Oh bon. Égale LS. Donc deux target. Et là, je peux taper une recherche. Donc je peux faire étoile.lit. Donc, si le fichier n'existe pas, join count shipping. Ok, j'ai reçu, j'ai rejoint une nouvelle faction, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un. Peut-être la force ou peut-être la dextérité qui ont fait que j'ai rejoint une nouvelle faction. Donc, if n'existe pas ceci, on va laisser les. Non, on mettra pas les prints, il n'y a pas besoin. Tac, tac, tac. Du coup, ça s'appelle. Lit. Lit search. Hop. Lit search. Et donc ici. Lit search. Search. J'ai oublié le R à chaque fois. Ça, j'ai un doute sur le mot search résultat en anglais. Lit search. C'est ça, hein, search. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, pour rechercher. Je le prononce peut-être mal, hein, mais c'est ça, hein. CEAR, CH. Ouais, search. Ouais, c'est ça, search console et tout. Oui, c'est ça. C'est ça, lire search, donc voilà, donc on est bon. Il me semble qu'on est bon. Du coup, j'ai mon script habituel de voilà, pour retrouver. Ici, il faut juste que je return un trou. En vrai, même pas. En vrai, j'ai besoin que de l'exécuter qu'une seule fois. Du coup, pas besoin de fioritures, pas besoin de faire un while. Et il faut juste que ce soit lancé une fois. Tac, tac, tac. L'explorer target, c'est bon. Oui, ici, c'est files. Voilà. Files au pluriel, files au singulier, ben parfait. Qu'est-ce que demander de plus? Scan to reach. Donc ça c'est ok. Git search. Ah ben c'est bon, on va lancer ça. Du coup, là je vais récupérer tous les fichiers lit du jeu, normalement. On va récupérer toute la bibliothèque de. Voilà, de lit et on. On pourra lire 2-3 trucs peut-être. On pourra lire peut-être 2-3 trucs intéressants. Donc, hop, donc je fais un run de lit search. Et c'est parti, mon kiki. En attendant, on fait un connect dark web. Et on fait un bye. Bye. Donc c'est. Je l'ai au-dessus, deep. Y est pas passé. Ah, le Y, j'ai dit. Donc, D. Gipsier du V2. On achète. Ok, du coup, je fais un homme. Et je fais un scan. Analyse.
De niveau 10. Ok. Et donc là, on cherchait Nit. On cherchait Net Nit, hein. Me voilà bien emmerdé, je les trouve pas. J'ai net link ici. Non, mais c'est pas normal. Tiens, et ça apparaît pas ça, tiens. Ils apparaissent pas là, tiens. C'est drôle ça. Bon, attendez, il y a ça aussi. Ça, on n'a pas regardé. Il y a un travail de sécurité là-dedans. Ça, c'est combien? 0,2 pour le hacking, on va dire 0,3. Et 0,9 partout, on va dire. Enfin, presque 0,9 partout. Ok, et là, c'est pareil. On s'en tape. C'est ça, hein? Ah, c'est pareil. Ok. Non. Ça, la sécurité, c'est combien? C'est pas. Ah, non, ici, c'est pareil. Donc, do something else. Et donc, qu'est-ce qu'ils vendent, eux? Qu'est-ce qu'ils. Neuroflux générateur, évidemment. Notre topic injector. Bah, d'accord, ok. Pas forcément intéressant. Ouais, bah bon, 450 millions quand même. Mais ouais. Ouais, on est. Speech processeur. Charisma skill. Ok. Ouais. Le neural stimulator à 3 billions. Comment vous dire que, hein, qu'on l'aura pas tout de suite. Bon, cybersec. Ça augmente pas des masses chez cybersec, hein. Faudrait peut-être que je up un peu chez eux là. Parce que ça c'est un petit peu la priorité. Eux c'est un peu la priorité d'achat. Du coup, je vais peut-être plutôt bosser pour eux. Je vais bosser pour eux, tant pis, hein, je m'en fiche, c'est pour la réputation. C'est pas pour autre chose, c'est pour la réputation. Du coup, ça c'est ok.
Bon, faudrait que je relance Darknet, mais après, qu'est-ce que je peux faire aussi avec ce pognon-là? J'ai 30K. Il y avait un truc à 30K sur le Deep. Le HTTP Worm, je peux l'acheter. Du coup, bye HTTP Worm. Bing, allez. Des nouveaux serveurs à pirater. Encore plus de pognon à se faire. Hop, port numéro 3, nouvel achievement. Et là, ça dépote. Il peut y aller là, ça envoie du lourd là. Du coup, le dernier est à 250 millions. Et en vrai, il y a moyen que je les atteigne. Parce que, oui, parce que je faisais les calculs avec le hacknet en rentabilité. Mais il faut savoir que les hacks que j'ai lancés en script, évidemment, rapportent du pognon aussi. D'ailleurs, ça a rapporté combien depuis le début de. Depuis le début? Ah ouais, presque 100 millions quand même! Ah, presque 100 millions, ouais. Voilà, hop, 28. 28, je vais vous donner. Mais ils sont où les. Attendez, il y a un truc là. Je veux juste vérifier. Je vais retourner sur le home. Je vais faire un ls. Et il me faut 4. Ouais, nit sec, c'est ça. Sec test. Le truc, c'est que je sais pas comment accéder à eux. Parce que je ne les vois pas. Je ne vois pas de nid sec en fait. Il y a bien un netlink auquel j'ai accès. Je veux bien. Oh non, j'ai pas le niveau. Tac, 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 tac. Il y a Néonet, mais c'est des branquignoles.